a dû se passer quelque chose de terrible ici. Parfait, chef. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Arme améliorée. Y'a qu'à demander. Mais tu nous prends pour des truffes? Laisse le croc de sécu, chef. Mais il n'y a personne. J'ai essayé de te prévenir, Hatchet. La base de données disait, cette planète a été désertée il y a longtemps. Clank, t'as vu ça? Un vieux vaisseau. Très très vieux, on dirait. Il faut le réparer. Ratchet, il faut être réaliste. Tachyon va finir par trouver les codes de vol et sera là dans une minute. Clank, écoute, j'ai besoin de le réparer. Ah, très bien. Un diagnostic virtuel de cette navette spatiale confirme qu'il manque 6 pièces nécessaires pour un voyage intergalactique. Bonne pêche. Félicitations, tu viens de recevoir une holo-invite interstellaire de... Stéphane Quarkonopoulos. Ratchet, l'entrée de cette mine de raritanium est trop petite pour nous deux. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes ici pour t'aider à le détruire. Détruire quoi? Nous avons beaucoup à te montrer. N'est pas un problème pour toi, maître. Laisse ta volonté agir et tu pourras passer. Cette porte n'est pas un problème pour toi, maître. Laisse ta volonté agir et tu pourras passer.
ce fossé n'est qu'un petit obstacle. Avec nous, nous te ferons passer par-dessus. Pour accéder à la carte, appuie sur la touche Select. N'oublie pas ton entraînement, maître. Insuffler la vie à cette structure.
de la vie dans cette sculpture. Ah. N'oublie pas ton entraînement, mais...
retiens ta respiration, Clank. On va faire un plongeon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Arme améliorée. Y'a qu'à demander. Mais tu nous prends.
D'après notre base de données, tu disposes de toutes les pièces nécessaires pour réparer ton vaisseau. Merci d'avoir utilisé le service de diagnostic virtuel de Gadgetron. Ton compte sera débité sous 3 jours. Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Allez, au travail! Oui, oui! Oui, ça va! Marche! Misérable petit drophide, ils ont osé utiliser des munitions chercheuses. Oh, quelle bande de tricheurs! Oh, allons, Bax! Je ne pensais pas en revoir un jour. Merci de m'avoir réparé. Tachyon a morcelé la ville avec son armée de drophides. Ce fut un acte cruel de représailles. S'il avait connu la malfaisance des Kragmites, oh, s'ils avaient gagné la Grande Guerre, l'univers entier serait tombé sous leur terrible joug. Je ne sais vraiment pas. Probablement pour s'emparer de leur technologie. Tous ces vaisseaux, ces exécuteurs et même l'armure de combat nanotech dont ces drophides sont équipés sont issus de la technologie Lombax qu'il a allègrement pillée. Je suis désolée. Mes banques de données semblent avoir été endommagées lors de l'accident. Mon dernier souvenir concerne les tirs répressifs sur la cour d'Azimut. Détestable, affreuse, horrible, sale petite créature de la planète Zurik. Tachyon a acheté leur fidélité avec du raritanium et les a recrutés pour son armée personnelle. Bien sûr, je possède un holo-écran optique HD47. En avant! Vous aimez le chaos? Raffolez le carnage! Adorez la destruction! Eh bien, aujourd'hui, c'est votre jour de chance! Vous êtes invité à participer, plutôt assister, au plus grand et au plus barbare tournoi de l'univers, le tournoi de combat impérial! Hameçon cible s'abstenir. Rendez-vous sur la planète Muko et savourez une nuit de divertissement. Vous ne serez pas déçus par ce spectacle sanglant. Offre réservée aux orphelins poilus accompagnés de leurs minuscules amis robots. On aurait dit le capitaine Quark. Ce qui signifie que c'est un piège. Mais on n'a pas le choix. Allons voir dans quel pétrin il s'est mis.